les scientifiques refusent-ils d'étudier les ovnis les Pense à vous abonner à la chaîne et de mettre un like. Pense à mettre un commentaire comme ceci. Pourquoi les scientifiques refusent-ils d'étudier les ovnis Les scientifiques aiment bien avoir l'initiative des questions. Lorsqu'un phénomène se produit en dehors de toute initiative de leur part, n'importe où, n'importe comment, devant n'importe qui, il naît. Ils n'aiment pas ça du tout, parce qu'a priori, ils sont dans la même position que n'importe qui, ils n'ont pas d'approche qui les spécifierait. Et à ce moment-là, ils tendent à disqualifier le phénomène, ils tendent à disqualifier les témoins et à disqualifier les témoins et à mettre l'ensemble sous le signe de la croyance. Et à ce moment-là, eux, deviendront les non-croyants, ce qui rappelle les vertus de la rationalité scientifique. Il y a donc quelque chose de pathologique, ah, quelque chose de pathologique, à mon sens, car évidemment beaucoup de phénomènes nous posent problème sans que les scientifiques aient pris la moindre initiative. C'est donc une très mauvaise habitude qui se révèle notamment autour du phénomène, OVNI, euh, du phénomène ovni et qui met en danger les relations démocratiques entre science et société. On peut avancer plusieurs explications quant au refus de la plupart des scientifiques d'investiguer le domaine des phénomènes aériens non identifiés. La plus simpliste des attitudes consiste à nier l'ensemble des phénomènes, les ovnis n'existent pas donc il n'y a rien à étudier. Cette position, pour le moins contraire à l'éthique scientifique, est de moins en moins tenable. De plus, c'est faire injure aux millions de témoins qui, de bonne foi, ont depuis plus de 50 ans rapporté d'étranges phénomènes, même si beaucoup d'entre eux peuvent recevoir une explication cohérente avec nos connaissances actuelles spliquées qui méritent une étude approfondie. Les scientifiques se heurtent à un obstacle inhabituel, il leur faut apprendre à partir des témoignages issus de tous les milieux et de l'ensemble de la planète. Ils ne sont ni formés ni préparés à cela, et l'étude de témoignages cadre plus avec les sciences humaines qu'avec les sciences dites dures ou exactes. C'est pourtant à partir des témoignages que les scientifiques ont fait quelques découvertes intéressantes, comme par exemple les météorites, la foudre en boule et les farfadets. Les scientifiques apprennent à partir de leurs instruments dans leur laboratoire, avec leur méthode même quand il s'agit d'étudier l'univers lui-même. Le phénomène ovni est un phénomène dont il construit la science moderne, on ne peut définir une théorie quelconque sans donner. Or, l'une des caractéristiques les plus troublantes du phénomène ovni est que même s'il se produit par vague, personne ne peut prévoir où et quand se produira la prochaine apparition et donc aucune mesure directe n'est possible. Très tôt, dans la jeune histoire de l'ufologie, au sein même des plus hautes autorités de l'État américain, un lien entre les ovnis et les extraterrestres a été établi. Pour les scientifiques, ce lien crée un blocage qui les empêche d'accorder tout, toute leur attention au phénomène. Pour eux, ce lien ne constitue qu'une chaîne d'hypothèses trop improbable et invérifiable. Pour que ces ovnis-là existent, il faudrait qu'ils existent qu'il existe des vies extraterrestres ailleurs dans l'univers que ces formes de vie soient similaires à la nôtre qu'elles aient atteint un développement technologique leur permettant les voyages interstellaires etc etc ce lien fait que le phénomène dépasse le simple cadre de la science et a des implications fortes sur l'ensemble de la société des religions des sécurités nationales etc des domaines qui n'entrent ni dans les compétences ni dans les prérogatives des scientifiques une grande partie de la recherche en astronomie est axée sur la recherche des planètes extrasolaires, l'exobiologie, etc. Si les ovnis existent et sont dirigés par des extraterrestres qui nous rendent visite, quid des recherches actuelles Devant l'énorme difficulté qu'éprouvent les scientifiques pour financer leurs recherches, ils préfèrent rejeter le phénomène et continuer, sereinement, leur petit bonhomme de chemin. Enfin, ce n'est pas un sujet à la mode et même si en privé beaucoup de scientifiques s'intéressent au phénomène et suivent son actualité, très peu parmi eux osent aborder le sujet en public. Comme l'ensemble des phénomènes paranormaux, le sujet ne fait pas serre. Sujet ne fait pas sérieux, on a peur du ridicule. Il faut dire qu'il y a tout un aspect folklore, mythe qui s'est greffé sur les ovnis et de nombreux canulars médiatiquement tapageurs ont régulièrement discrédité l'ensemble du phénomène. De ce fait, les scientifiques ont peur de se brûler les ailes et d'anéantir brutalement l'ensemble de leur carrière et donc leur gagne-pain. Pour renverser cette regrettable tendance, en attendant que l'ufologie ne devienne une science à part entière, il faudrait que les ufologues cessent leurs querelles intestines qui ne font qu'accentuer le côté ridicule des ovnis. Ensuite, il faut s'attacher à rassembler un ensemble consistant d'évidences incontestables pour démontrer la validité de l'étude des phénomènes, la validité de l'étude des phénomènes aériens non identifiés. Cette tâche ne pourra s'effectuer qu'au sein d'organismes officiels au travers d'enquêtes rigoureuses qui ne pourront prêter le flanc à la critique des plus sceptiques, dans le respect des lois garanties, dans le respect des lois garantissant l'anonymat des témoins acceptant de déposer un rapport officiel. Tant que le phénomène ne jouira pas d'une reconnaissance unanime, si cet anonymat n'est pas respecté, car un grand nombre de personnes refusent encore et toujours de témoigner par peur du ridicule et des éventuelles conséquences privées ou professionnelles qui pourraient en découler.